Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce jeudi 15 juin 2023, 15h18, heure du Québec. Heureux d'être avec vous sur YouTube. Merci à ceux qui sont abonnés. Ceux qui ne sont pas, faites-le maintenant. Merci à tous ceux qui m'envoient des liens, des messages. Pendant qu'il y a tellement de distractions sur toutes sortes de sujets, l'inculpation bidon de Donald Trump par un procureur qui déteste Donald Trump et sa femme encore plus. La femme de Jack Smith, le procureur spécial, puis je vais revenir là-dessus un petit peu plus tard, si ce n'est pas aujourd'hui, ça va être demain. Je vais vous démontrer comment cet homme-là est un tordu et que presque toutes les inculpations qu'il avait réussi à avoir contre des politiciens qu'il n'aimait pas ont toutes été déboutées devant la Cour suprême. Donc, c'est quelqu'un qui est complètement, complètement politique et les accusations contre Donald Trump, 37, c'est toute la même qui se répète. Sont complètement politiques, c'est du n'importe quoi, c'est du spectacle par-dessus spectacle. Pendant que la famille Biden est enquêtée par les républicains, il y a des dossiers qui tombent du ciel sur la corruption des Biden, les médias ferment les yeux, parce que c'est deux poids, deux mesures, parce que les médias sont libéraux, progressistes, démocrates, et que Donald Trump est une menace à l'agenda libéral, à l'agenda progressiste, parce qu'il, naturellement, il est très populaire et il parle des vraies affaires. Je peux vous dire une chose, juste avant de passer au sujet que je veux vous partager. Joe Biden et sa famille, ils sont tellement corrompus que s'il était républicain, je peux vous garantir que tous les médias, tous les spécialistes, tous les chercheurs, les scientifiques auraient leur nez en train d'analyser les moindres détails de son trou du CUL. OK? Mais parce que c'est le représentant de la gang, des gauchistes et des progressistes, on ferme les yeux sur Joe Biden et la corruption de Joe Biden. Il n'y a rien qui est rapporté par les médias. Mais ça, je reviendrai là-dessus, mais c'est une distraction. Pendant qu'on est distrait par tout ce qui se passe sur la scène internationale, ce qui se passe en Europe, ce qui va peut-être se passer en Chine ou peu importe, ce qui se passe avec Trump, ce qui se passe ici, ce qui se passe chez vous en France... Ben, on nous a fait vivre les trois pires années de l'histoire moderne, peut-être même de l'histoire de l'humanité, avec la pandémie, qu'on n'a pas réussi à comprendre vraiment, mais là qu'on commence à comprendre et à réaliser ce qui s'est passé. On nous a fait vivre un enfer, et encore là, les médias ferment les yeux totalement sur la vérité et sur l'origine de ce virus qui était très réel, qui a fait des vrais morts. Et qui a fait des vrais malades aussi. Peu importe qui était malade, peu importe qui est mort, il y a eu des millions de morts et des dizaines de millions de gens très malades, et il y en a qui sont encore très malades. Et de plus en plus, que ce soit les services de renseignement américains, et même en Europe, on a eu la commission, on a eu au Parlement européen des médecins qui ont témoigné la semaine dernière sur tout ce qui a été fait de tout croche, par la part de l'Organisation mondiale de la santé financée par la Chine, de la part de tous les autres gouvernements européens qui se sont lancés dans une dictature qu'on pourrait la qualifier de sanitaire ou médicale. OK? Probablement en pensant bien faire. La Chine, d'où origine le virus, de plus en plus, il y a le Sunday Times, écoutez ça, qui nous rapporte que peut-être que la Chine même est en train de développer encore aujourd'hui avec l'armée et notre argent de nos gouvernements qui finançaient le laboratoire de Wuhan, une autre arme, parce qu'on est en train de développer une arme, puis peut-être que la COVID-19 était une arme biologique, OK? Le Soleil de Toronto nous rapporte qu'il y a un jour, la recherche secrète sur les armes biologiques de la Chine a provoqué le COVID-19. Wow! La recherche secrète sur les armes biologiques de la Chine a provoqué la pandémie, selon un rapport. Dans la foulée du scandale de l'ingénierie, et c'est le Sunday Times de Londres, hein? Dans la foulée du scandale de l'ingérence étrangère de la Chine au Canada, un rapport explosif du Sunday Times de Londres indique que de nouvelles preuves crédibles suggèrent que la pandémie de COVID-19 était le résultat d'une fuite de laboratoire à l'Institut chinois de virologie de Wuhan, où un programme militaire secret
avait tenté de créer une arme biologique mondiale. Hey, c'est pas n'importe quoi, là. Les enquêteurs pensent que l'armée chinoise s'est intéressée au développement d'un vaccin. Apparemment, eux autres, ils avaient le vaccin déjà prêt avant que la pandémie nous frappe. Les enquêteurs pensent que l'armée chinoise s'est intéressée au développement d'un vaccin contre le virus afin qu'il puisse être utilisé comme une arme biologique potentielle. Si un pays pouvait inoculer sa population contre son propre virus secret, il pourrait avoir une arme pour modifier l'équilibre du pouvoir mondial. L'origine de la pandémie de COVID-19 qui a tué 7 millions de personnes et détruit l'économie mondiale. Depuis ce temps-là, on ne se reconnaît plus. L'économie est en déroute. C'est fascinant. C'est une question très controversée depuis le début de la pandémie en Chine, il y a plus de 3 ans. Alors que la possibilité d'une fuite de laboratoire a été largement rejetée comme une théorie du complot au moment de l'épidémie, une équipe de journalistes du Sunday Times affirme que leurs conclusions sont basées sur l'examen de centaines de documents, y compris des communications interceptées top secrètes et des rapports auparavant confidentiels, des notes de services internes, des articles scientifiques et des correspondances par courriel obtenues par des sources ou par des militants de la liberté d'information au cours des 3 années qui ont suivi le début de la pandémie. Ils ont également interrogé des enquêteurs du département d'État américain, y compris des experts de la Chine, des menaces pandémiques émergentes et de la guerre biologique qui ont mené la première enquête américaine importante sur les origines de la COVID-19, créant l'image la plus claire à ce jour de ce qui s'est passé au laboratoire de Wuhan. Et on sait que le gouvernement américain a financé des projets au laboratoire de Wuhan. Leur verdict est que la première épidémie de COVID-19 s'est produite près de l'Institut de virologie de Wuhan, contrairement à ce qui avait été signalé précédemment dans le fameux « wet market », un marché humide des fruits de mer et des animaux vivants de Wuhan à Wuhan. Il est devenu de plus en plus clair que l'Institut de virologie de Wuhan a été impliqué dans la création, la promulgation et la dissimulation de la pandémie de COVID-19, a déclaré un enquêteur. Le professeur Richard Ebride du Waxham Institute of Microbiology de l'Université Reuters, un opposant de longue date aux travaux à haut risque sur les virus effectués à l'Institut de Wuhan et qui a passé en revue certaines de ses expériences, les a décrites comme de loin les plus téméraires et les plus imprudentes. Des recherches dangereuses sur les coronavirus ou même sur tout virus connu pour avoir été entreprise à tout moment et en tout lieu. Il faut être vraiment cinglé pour jouer avec ça. Ces expériences, a déclaré le Sunday Times, ont conduit à la création d'un super coronavirus hautement infectieux avec un taux de mortalité terrifiant qui, selon toute probabilité, n'aurait jamais émergé dans la nature. Le nouveau virus génétiquement modifié n'était pas le COVID-19, mais il aurait pu être encore plus mortel s'il avait fui. Les expériences de l'Institut de Wuhan ont commencé à la suite de l'épidémie de coronavirus du SARS, qui est née en Chine en 2003, aidée par le financement d'une organisation caritative basée aux États-Unis et dotée de techniques de manipulation de virus de pointe par le principal scientifique américain sur les coronavirus, dans le but initial de créer un vaccin universel qui pourrait protéger le public contre de futures pandémies de SARS et ses variantes possibles. Ce travail impliquait des expériences de gains de fonction, hein, qu'on appelle gain of function, pour augmenter la puissance du virus dans le cadre de la recherche de vaccins. Initialement, déclaré le Sunday Times, l'Institut de Wuhan a rendu public ses conclusions, bien que l'on craignait de plus en plus que la recherche soit effectuée dans des laboratoires incapables de contenir le virus. Puis en 2016, selon le Sunday Times, les rapports sur la recherche sont devenus sombres après la découverte d'un nouveau coronavirus dans la mine chinoise de Moijiang, dans la province de Yunnan, où des personnes sont mortes de symptômes du type SARS. Mais on va même plus loin dans cet article-là. On va même jusqu'à dire qu'on est en train de fabriquer un arsenal. Du côté du Sunday Times, on est en train de nous dire qu'on est en train de construire un arsenal biologique du côté de la Chine. Vraiment hallucinant. Pendant qu'on est distrait, on a cette
nouvelle-là. Puis elle est un petit peu partout, sauf à TVA, sauf à LCN, j'imagine. CNN, France 1, France 2, France 3, France 4, France 5, France 6, France 7, France 8, 39. Je vous reviens avec d'autres nouvelles. Je voulais vous parler de, oui, de Jack Smith. Je vous reviendrai avec ça. Puis je vous laisse cet article-là dans la boîte de description. Incroyable. Incroyable. Puis notre vie est détruite depuis ce temps-là. La vie des enfants est détruite. Tout le monde a perdu un proche, probablement. C'est complètement hallucinant. Je vous reviens. C'est la nouvelle du siècle, c'est la nouvelle du millénaire. Il n'y a personne, vraiment, dans les médias qui va oser en parler parce que, naturellement, ils ne veulent pas admettre leur tort. Je vous reviens.